Remember back in the days when niggas had waves. Yo, salut YouTube, c'est ton boy Jimmy, comme tu le sais déjà. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo réaction la team. Et c'est une vidéo qui s'appelle 360 Waves Morning Routine. Donc de ce que j'ai pu voir, c'est un jeune YouTuber qui s'appelle King EKB, je pense, parce que c'est un Américain. Donc on va voir si on est, on va voir comment lui fait sa routine. D'accord? On va voir, parce qu'en plus de ça, j'ai vu, c'est un jeune. Et moi, vous savez très bien, à partir du moment où on fait des vidéos sur des waves, peu importe que ce soit de bonnes, enfin, le mieux, c'est que ce soit de bonnes vidéos. Mais même si ce sont des vidéos qui sont pas spécialement bien, à partir du moment où on parle des waves, c'est toujours bien. Parce que je vous ai déjà dit, moi, mon objectif, c'est vraiment que l'on puisse parler de la culture des waves. Parce que c'est une grosse culture où il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées et il faut qu'on en parle. Donc là, les gars, on se retrouve tout de suite, juste après mon intro. Yo, 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 salut YouTube, c'est ton boy Jimmy. Check, salut YouTube, c'est ton boy Jimmy. Yo. Tu sais comment ça se passe quand je mets le casque, let's go. Ok, tu vois, je pense. Après, je vous dis, c'est un jeune, les gars. Il doit avoir, je sais pas, peut-être 10, 11 ans, comme ça. Regardez. Il y a un bag. Il est trop mignon. Tu vas voir ta routine Waze, mon petit. Bon après il a pas de grosses ways, hein. Ça se voit que c'est un débutant, c'est un jeune, voilà. Mais ce qui est bien c'est qu'il se lance en tout cas dans les vidéos, c'est bien. En plus j'entends pas trop mais on dirait qu'il dit qu'il met de l'eau. Je vois un truc là ici là, le Sporting Waves. Non, je vous ai déjà dit les gars, hein. On ne revient pas sur ce sujet, on ne revient pas sur les sujets qui fâchent. Mais non, don't use it, ok? N'utilisez pas ça les gars. I was using 360 style. Ok, il utilisait le 360 style avant, mais bon. Après, il s'y connaît pas, c'est un petit. Bon, on peut pas lui en vouloir. Tu vois, à partir du moment, comme j'ai dit, où il se lance dans les ways, c'est déjà une bonne chose. Moi, je vais juste voir s'il connaît bien ses angles, par rapport à quel pattern il a, etc. Comment il va brosser et tout, tu vois. En tout cas, il est trop mignon. Je sais pas quel âge il a. Dites-le moi en commentaire avis quel âge il a, mais trop mignon. Lui, ça se voit qu'il a dû voir des vidéos sur YouTube ou des gars sur Instagram. Il s'est dit, je vais me lancer dedans. Donc c'est cool. Avec son petit corps là. Ah, donc il dit, voilà, ça c'est ce qu'il fait tout le temps. Donc il met de l'eau et du Sporting Waves. Bon, vous savez très bien que ce n'est pas une très bonne routine, même c'est pas une bonne routine du tout, mais ok. Moi je voulais juste voir parce que c'était un jeune, je me suis dit ça peut être cool de voir une vidéo d'un youtubeur, un petit jeune comme ça qui se lance dans les waves, c'est cool. Ah voilà, c'est bien, il dit, après ça dépend par rapport au pattern que tu as ou que tu veux. Ok. You have a pomade in here. Okay. I'm gonna grab a brush and start brushing. Okay, donc lui il fait du side brushing de ce qu'il dit, c'est ça? Oh, this is what I'm working with. It's a red premium. Okay, donc c'est une medium, on dirait sa brosse. Ouais, c'est ça. Like lays your hair down very well. Let your hair down very well. Fais voir ta session brosse, mon petit. Let me see it. Faut que tu arrives à te regarder, mon ami. Ok, fais-moi voir. Donc, il brosse, on dirait, comme sur un 180. Parce que j'ai pas l'impression qu'il brosse sur les côtés. Quoique. En tout cas, c'est bien parce qu'il prend le temps, tu vois, de se regarder pour faire ses angles. Et ça, c'est cool. Je pense qu'il doit être vraiment au tout début. Hein, parce que même, on voit qu'il n'a pas de waves encore. Et même pas de ripples, réellement, tu vois. Vas-y, fais-moi voir. T'as juste avancé parce qu'on voit rien. C'est dommage en fait, c'est mal filmé. Ok, donc en fait c'était juste ça. Ah non, attends. Il met le durag. Fais voir comment tu mets ton durag. Est-ce qu'il le met bien? Parce qu'il y a même des gars de 30 ans qui mettent mal leur durag. Hein. En tout cas, j'ai l'impression qu'il prend le temps de bien étaler les lanières, ça c'est cool ça. Après, j'avoue que le devant il est descendu bien bas, hein, mais bon. Je l'encourage le petit. Après, c'est pas mal mis, ça va. Juste, il est beaucoup descendu au niveau de ses yeux, mais ça va. Après, quand il va tirer, ça va un petit peu remonter, mais ça va.
As you can see, I go to my eyebrows. Yeah. Pop your eyebrows out, do whatever you gotta do. Mm-hmm. Okay. You know, I'm gonna do a tutorial on how to tie a do-rag. Okay. That's gonna be in like another video. Déjà, on sait parce qu'on. Ok, bon, bah, c'est fini. Ok, la team. Bon, on va pas faire une conclusion qui va être très très longue. De toute façon, il n'y a pas grand chose à dire, la team.